Salut tout le monde, c'est Chasseur. Alors, on se retrouve dans cette petite vidéo. J'ai voulu faire cette petite vidéo dans la mise à jour qu'il y a eu mardi. Ils ont ajouté un événement de Noël, comme chaque année, vous le savez. Il y a l'espèce de renégat déchu là qui nous fait des grands gestes. Et oh, je suis là, là. Pour Noël, à chaque fois, une file d'événements où on peut gagner le pistolet mitrailleur l'enneigeur. Et cette année, il y a aussi un masque, le nouveau masque de Gila, le Shield Out, qui est plutôt pas mal parce qu'il possède deux emplacements de mode. Alors, je tiens tout d'abord à vous préciser qu'on peut trouver ce petit personnage qui vous lâche les équipements voulus, aussi bien le jour que la nuit, parce qu'on voit dans pas mal de vidéos anglaises, les mecs font spawn le bonhomme la nuit. Donc c'est aussi faisable le jour, hein, j'ai eu aussi bien le jour que la nuit. Donc là, je vais vous filer les quatre principaux endroits où j'ai pu récupérer, avoir le personnage pour pouvoir récupérer l'arme et le masque. Donc, on va voir ensemble les quatre endroits où il y a de très très fortes chances de l'obtenir. Alors, tout d'abord, en premier, à la mission Grand Washington Hotel. Vous téléportez à la mission Grand Washington Hotel et ça sera devant la mission qu'on peut trouver le bonhomme. Après, le deuxième endroit, ça va être à Jefferson Trade Center, la mission principale. Hein. Pareil, hein, devant la mission, le bonhomme est souvent ici. Alors, on fouille un peu à droite, on reste pas à 1 mètre de la mission, quoi. On fait un peu dans la rue, à droite, à gauche, mais c'est vraiment proche, très proche de la mission. Il n'y a pas besoin d'aller à des kilomètres pour pouvoir trouver le truc. En l'occurrence, à Jefferson Trade Center, à chaque fois que moi il est apparu, je vais vous faire voir sur la vidéo là, il est apparu, il sort de cette. Vous avez vu, c'était juste devant la mission. Il y a une plaque d'égout là à côté d'une voiture de police. Ici, il sort de cette plaque d'égout de police. Donc voilà, ça c'est le deuxième endroit où j'ai pu le trouver. Sinon, il y a au Capitole. Alors, on se téléporte au Capitole et on va voir quand on arrive. Il y a une espèce de petit sous-bois là sur la droite. Je vais vous faire voir. À chaque fois que j'ai eu, il était là aussi dans ce petit sous-bois. Alors, je précise encore aussi bien de jour que de nuit, hein, parce qu'on voit dans les vidéos anglaises, les mecs le font souvent la nuit. Genre, je sais pas pourquoi. Et je vous assure, c'est une certitude, aussi bien là le jour comme la nuit. Donc, on est à Capitole, devant la mission, vous voyez, on fait le petit tour là, il y a une haie, on fait le petit tour, il y a une espèce de tout petit sous-bois là, ici, là, sous les arbres, ici. Donc, il est tout le temps ici, là. Enfin, du moins à Capitole, il est tout le temps ici. Donc là, je vous fais voir le dernier endroit où on va pouvoir le trouver. Alors, je suis à la planque, le magasin dans West Potomac Park et près de la mission Lincoln Memorial. Au milieu de l'eau, là, il y a un endroit où, vous savez, vous allez reconnaître, où on fait un des chasseurs, où il faut tirer dans la poule notamment. Bah là, j'arrive et là, il est là, voilà. Donc, je le tue et puis on peut voir. Bon, je vais un petit peu nettoyer quand même, tu sais, je vais être tranquille. Ouais, il y a plus, s'il y en a encore un petit peu, je fais mon petit nettoyage, hein, désolé. Voilà, donc on peut voir qu'il nous a lâché l'enneigeur et le shield out. Voilà, donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a deux modes ce masque, c'est super bien. Alors, je vous donne la petite technique pour pas galérer, pour l'avoir très vite, hein, en moins de 10 minutes, vraiment en moins de 10 minutes, on le récupère très très facilement. Donc, on se téléporte à la première mission, on fait les alentours de la mission, il y est pas, on perd pas de temps, on se téléporte à la deuxième, on fait un petit tour, il y est pas, on reste pas 3 quarts d'heure sur place à attendre qu'il débarque. Non, on se téléporte à la troisième au Capitole, on fait son petit tour sous les arbres là, dans le petit sous-bois. Il y a pas, on se téléporte
à la planque le magasin, on va voir là où il y a le hunter. S'il n'y est pas, on recommence, on tourne comme ça sur les quatre endroits en se téléportant pour essayer de le choper vraiment, vraiment très vite. Voilà. Donc là, on peut voir le masque, hein, on voit bien dans le descriptif qu'il nous dit qu'il y a deux emplacements de mode, quoi. Un premier et puis un deuxième. Je pense que ça peut être super bien hein, pour ceux qui veulent s'ajouter plus de dommages au coup critique. Pour certains builds, ça peut être vraiment cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez-moi un pouce. Ciao, bye, à bientôt et garde la pêche. Turn up the bass and make some fun. Why run? I knew we'll end your